Yo, salut à tous, mes petits poulets, c'est Blax. On se retrouve aujourd'hui pour faire la bête level 1. On l'a déjà tenté au préalable il y a quelques heures. On s'est fait un peu défoncer, tout simplement parce que la bête était beaucoup trop forte pour nous. Du coup, on a refait des troupes, on est en train de se réunir pour attaquer la bête. Donc là, on va rejoindre les copains sur Discord et ça nous permettra, cette petite vidéo, de vous montrer comment faire les bêtes level 1. Faudrait que sur le piaf, là, tu te mettes d'un côté et moi de l'autre. Qu'on Ben, c'est ce court. que j'ai pensé. On court un demi-cercle pour le heal. Ben, en Après sachant chacun. que ma deuxième équipe peut heal, mais j'ai pratiquement rien en troupe. Bon, du coup, les gars, la bête, level 1, tout simplement, vous avez sur votre carte des territoires. Et sur ces territoires, vous avez des bêtes. Donc, vous avez soit des bêtes level 1, level 2, etc. Au début du jeu, vous allez devoir, à partir de votre fort principal, construire des bannières. Et ces bannières vont devoir coller ce territoire pour pouvoir attaquer la bête au moment de l'ouverture de l'événement. Donc sur cette bête, vous en avez des différentes. Elles vous permettent, si vous les battez, d'avoir des petites bonus de récolte, que ce soit nourriture, bois, pierre, etc. Quand vous cliquez sur la bête, en haut à gauche, vous avez un petit point d'exclamation, et là, vous avez tout sur l'événement. Donc en gros, vous ne pouvez attaquer un repère de bête que lorsqu'il est connecté au territoire de la tribu, c'est ce que je viens de vous dire. Le niveau et la puissance des bêtes gardiennes augmentent avec le temps. Battez-les dès que vous le pouvez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous mettez trop de temps pour la battre, elle va prendre presque 3000% d'attaque ou quelque chose comme ça. Donc il faut la battre la plus rapidement possible pour éviter qu'elle ait ce buff-là. Vous ne pouvez pas faire de raid. D'accord? Lorsqu'une bête gardienne est vaincue pour la première fois, la tribu de la troupe qui a infligé le plus de dégâts recevra une récompense. La bête gardienne ressuscite après. Et en fait, cette bête, si vous combattez des mobs à côté, elle peut vous aider. Bon, mais il y a tout le monde là. C'est toi qui donne le goût. Yes, GG. GG. GG les gars. Ah, il y a un classement de dégâts. J'ai mis 12 500 000 dégâts quand même. Donc là les gars, on vient de tuer la bête. Elle vient de libérer son petit coffre. N'oubliez pas d'aller farm le coffre de la bête. Vous voyez qu'il y a collecte restante. Il y a 60 personnes qui peuvent collecter. Alors je sais pas si c'est 60 personnes ou si c'est 60 fois. Moi j'ai envoyé mes deux armées, je sais pas si je vais pouvoir le faire deux fois. Et en fait la bête, elle protège le repère de la bête, et il va falloir la raid pour pouvoir le prendre. J'aurais pas dû. Ah ouais? Ben, je l'ai pris. Ah ouais? Ouais, sans le vouloir. Eh bien, c'est bien. Par contre, il y a un coffre. Alors, attends, paramètres, c'est quoi? Paramètres de la bête. Alors, une fois que la tribu a occupé le repère de la bête gardienne peut attribuer. Peut abriter la tribu et ses membres dans un certain rayon du repère. Attaque automatique de la bête gardienne. La bête gardienne attaquera activement les tours étendards des autres tribus connectées à leur propre territoire du repère de la bête. Assistance de la bête gardienne. Lorsque les PV de la bête gardienne sont supérieurs à 80%, que les membres de la tribu attaquent des monstres de niveau 4, 5
et des troupes Niflung de niveau 20 plus dans une certaine portée de repère de la bête, il y a une possibilité pour la bête gardienne d'aider les membres de la tribu à attaquer la cible. Ok, d'accord. Ah, et on peut cacher des troupes à l'intérieur. Et ça, c'est bien ça. Chaque lundi, la tribu qui occupe le repère de Belle recevra une récompense dedans pour message. Ok. Pas mal. Ouais. Royaume divin. Ah oui, dans le royaume divin, maintenant on a le repère de la bête. Collecte nourriture, attaque auto. Et si je m'enlève? Ah, et bien tu vois, ça augmente les ressources de la tribu et pas Oui, c'est ce personnel. que je viens de voir. Lorsque le territoire des tribus s'étend jusqu'au repère, ok. Mais là, toi, tu fais quoi dans le repère là? Y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il met Je me suis rebarré. le premier chef à occuper le repère de la bête ou le capitaine s'il participe à un raid dirigera les troupes dans le repère de la bête pour le défendre des autres. Ah, des autres tribus. Oui. Ah, c'est ok si c'est contest en fait. C'est ça. Ah, mais en fait, c'est hyper important. C'est hyper important ça en fait, les repères. Comme ça. En fait, si c'est pour la tribu, en fait, au début, c'est super important. En fait, ça peut permettre de se protéger si on se fait attaquer aussi, quoi. Ça te permet de te protéger et ça permet de cumuler les récoltes. Bon, les gars, pour conclure ce repère de bête, vous voyez que c'est assez compliqué de battre la bête. Donc, il faut vraiment y aller à plusieurs. Il faut des healers, il faut des mecs qui ont vachement de DPS, donc vachement d'attaque pour lui faire un maximum de dégâts et le plus rapidement possible avant que la bête s'enrage. À la fin, vous avez un coffre à récupérer. Et ensuite, en fait, ça vous apporte un bonus de récolte, mais pour la tribu et non individuel. Donc c'est vraiment intéressant à prendre dès le début. Et en plus, chaque jour, vous allez pouvoir obtenir des récompenses. Donc voilà, c'était le repère de la bête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner à la chaîne. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les gars. On it, you need